Damso, il devait pas avoir Damso. De base, on m'a dit dans le clip, il y a Damso. Il est où Damso? Oh là là, tu sais quoi, moi je me crache, j'ai pas. On m'a dit, il y avait Damso dans le clip. Pourquoi tu me suis? De base, il avait Damso. De base, il devait. Non, c'est Damso qui. C'est suffisant, on avait demandé 3 minutes, c'est très bien. Alors, j'ai la première question, tu sers à quoi dans le projet? Parce que moi, à part après avoir des factures, tu me laisses finir s'il te plaît? Parce que tu commences déjà à m'énerver. À part avoir appris à faire des factures, tu sers à quoi? D'accord, donc t'as fait un stage pendant 6 semaines, t'as fait 6 semaines de factures. C'est bien, c'est bien. Tu perds des points, hein, je te le dis tout de suite. Non, c'est nous, on pose des questions, donc... Si tu as des questions, Chantal, vas-y, mais toi, tu t'es... D'accord? Ouais, c'est ça. Bah non, mais... C'est pas ta maman, la bataille. T'avances, oui. Tu dis pas que je suis avec toi, je vais me cacher. Vas-y, va te cacher, je te couvre. Oh, Clara! Oh, bonjour, madame. T'as déjà terminé les cours, toi? Oui. Oh, bah ça m'attendrait, parce qu'Adèle m'a dit que vous terminez à 16h. Non, bah c'est qu'en fait... Clara, tu sèches. Oui, mais ne dites pas à ma maman, s'il vous plaît, madame. Eh. Pip, pip, pip. Hop là, je lance la clé. Oh, c'est gentil, madame, merci beaucoup. Puis j'ai envie de te dire, même si Adèle séchait, je pourrais pas dire grand-chose. Hein, parce qu'à votre âge, j'étais pas beaucoup à l'école. Ah bon? Vous la fâcheriez pas? Moi, l'engueuler? Jamais. Ah, mais c'est trop bien, parce qu'elle avait peur que vous la fâchiez. Hein? Et justement, elle est là-bas, derrière le mur. Vous la voyez? Elle fait coucou là! Oh! Adèle! Ce verre d'eau, c'est ton cerveau. Le lait représente les pensées négatives. Je suis trop ceci, trop cela. Pas assez ceci, pas assez cela. Regardez ce qui se passe. L'eau qui était claire est devenue trouble. Pour la nettoyer, il faut du positif, du soutien, de l'amour, des encouragements, de la bienveillance, de la confiance en soi et surtout du temps. Comme vous voyez, retrouver le clair est un long processus. Et pourtant, une simple goutte de lait suffit à la rendre trouble de nouveau. Tout ça pour vous dire qu'il faut trier ce qui rentre dans votre tête et il faut savoir que l'on est ce que l'on pense être. Pourrais-tu gifler ton papa pour 50 milliards? 50 milliards? Oui. C'est pas 100 millions, hein? Non, non. 50 milliards. C'est pas 1 milliard aussi? 50 milliards. 1, 2, 3, 4, jusqu'en 50. Oui. Un instant, s'il vous plaît. Allô, papa? C'est comment? Ouais, ça va, ça va. Et on vient de me faire une proposition là. Voilà, on dit, est-ce que je peux te gifler pour 50 milliards? Ouais. On est à la patte droite vers le commissariat là. Voilà. Ah, tu viens? D'accord, papa, c'est ce qui me plaît chez toi. Ok, donc je t'attends. D'accord, papa. Mon papa, il arrive. Donc pourquoi? Si je viens là, il y a le gifler, vous allez me donner 50 milliards là. C'est ça, non? C'est une non, question. Là. Comment ça, question? Moi, tu pleures. Tu pleures pourquoi? Je m'en fous, c'est un imbécile. Mais j'ai tapé Steve, tu sais ce qu'il m'a fait? Non, je t'ai tapé Steve, mon frère. Il va démarrer. C'est bon, pardon. Tabasse, Ethan. Tabasse. Je t'aime. Si elle te donne ça, il peut taper Steve. Ah! Je te donne ça, je tape Steve.
tu manges mon truc et puis je ne le tape pas, je te donne ça et puis je le tape. Ok. Oh, tiens. Pour un morceau de viande. Attends, si je te donne ça, je le tape, hein. Hein? T'es un trait. Tiens. Oh, Judas! 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 Ok, donc c'est un vrai ou faux, ça va être trop facile. Donc 2 plus 2 égale à 4, ça c'est vrai. Ensuite on a 5 plus 2 et ça c'est vrai aussi. Et là, normalement, la prof elle aura mis un faux pour varier un petit peu. 8 plus 10, bon, 3 vrais ça arrive de temps en temps. Et maintenant c'est sûr qu'il y aura un faux, c'est obligé. Un quatrième vrai? C'est impossible, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Il doit y avoir un piège quelque part. Bon, on va mettre vrai, mais ça veut dire que tout le reste ce sera que des faux. Un cinquième vrai? C'est impossible! Il doit y avoir un piège! C'est obligé! Ça peut pas être 5 vrais! Pourquoi tout est vrai? C'est pas possible! C'est une torture! Le dernier est faux à 100%! C'est sûr! Je le savais! Tout était un piège! La meilleure des solutions dans ce cas-là est de mettre vrai, faux, vrai, faux! Quand on a un doute, la meilleure solution est de faire 50-50. C'est bon, là, il y a moyen que j'ai une bonne note. Voilà ta note, Mathéo. Les jours passent mais les balances n'arrêtent pas d'ouvrir leur bouche. La guerre a commencé sur la calage, tout le monde se couche. Y'a v'là les meufs, je vais faire la teuf. Tu m'as quitté, je suis dégoûté, la la la. On y a maman. Comment réagir en présence d'une personne vraiment attractive? Regardez-la. Regardez en bas. Restez 1, 2, 3. Levez doucement le regard. Regardez ailleurs. Sourire léger. Grattez-vous le cou. Léchez-vous les lèvres. Regardez-la. Faites un clin d'œil. Puis avec l'autre œil. Avec les deux yeux. Regardez-la avec les yeux doux. Sortez le bout de votre langue. Avalez vraiment très fort. Respirez très fort. Regardez-la. Mordez le bout de votre doigt. Mordez le milieu de votre doigt. Mordez la base de votre doigt. Enlevez-le de votre bouche. Sentez votre doigt. Doucement faites oui de la tête. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. Dis-moi comment tu t'appelles. Simpson. Comment? Simpson. Et ton grand frère il s'appelle comment? Charclo. Comment? Charclo. Charclo? Ouais. Ça veut dire un moineau en gitan. Mais ça veut dire clochard en français. Jure, mais mort.